messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Folklore Populaire. Comment allez-vous? Alors, bienvenue aux gens en studio et on salue aussi les gens à la maison qui nous écoutent via le web. Votre présence assiduité chaque semaine nous rend très heureux. Alors, ça me fait plaisir de voyager avec vous au pays de la musique folklorique. Nous avons une excellente brochette d'invités aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on débute l'émission tout de suite. Alors, il nous fait plaisir aujourd'hui de recevoir notre premier invité. Il s'agit de M. Gérard Saint-Cyr. Bonjour, Gérard. Salut. Gérard, fier et fiable bénévole ici à l'émission Folklore Populaire. Merci de ton temps, Gérard. Je pense que ça mérite tout de même d'applaudissements. Fais un excellent beaucoup. Travail. Merci. Gérard, je sais que tu as une voix d'or. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je veux rendre hommage aux pionniers. Ah. Une chanson de Là où je suis né. Là, ah, OK, c'est bon. C'est de Bernard Paquette qui chante ça. Ah, je connais là ça. Où je suis né. Madame, monsieur, très belle chanson. On applaudit Gérard Saint-Cyr, s'il vous plaît. C'est sur cette terre que nous avons grandi. Il y avait pré-mère, mes sœurs et mes frères. C'est sur cette terre qu'on a appris à travailler, tous en harmonie, réussir dans la vie. Les grands champs de blé, de verts pâturages, de grands coupes de bois, clôturer la terre près de l'étang, une érablière, sans oublier le grand jardin de ma mère. Merci, chers parents, de ce bel héritage, l'amour du travail que vous nous avez laissé, sans surtout oublier ce solide passé qui resteront gravés en nous pour l'éternité. Arrivé le dimanche, notre journée de congé, tous à la messe pour aller prier, remercier Dieu de nous avoir donné l'amour, le courage et surtout la santé. La grande maison de nos souvenirs, les arbres et les fleurs qui nous ont vu grandir, les problèmes qu'on a eus aujourd'hui disparus. À tous ces gens de cœur, sont tous morts là-bas. Merci, chers parents, de ce bel héritage, l'amour du travail que vous nous avez laissé, sans surtout oublier ce solide passé qui resteront gravés en nous pour l'éternité, qui resteront gravés en nous pour l'éternité. Gérard Saint-Cyr, mesdames et messieurs.
Je vais te dire quelque chose, Gérard. Chaque fois que tu viens à l'émission, tu nous fais une chanson avec un texte qui nous fait réfléchir, c'est qui vrai. Nous parle, et ça vient de ton cœur, on la ressent à 100 000 heures. Merci pour cette belle heure. Merci. Merci, Gérard. On se retrouve tantôt, Gérard. Oui. Alors, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous recevons de Saint-Georges-de-Beauce, Mme Noëlla Larivière. Bonjour. Bonjour, Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Je dois vous remercier d'abord et vous féliciter de faire un trajet de 2 heures pour venir participer à l'émission Folklore Populaire. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. C'est un beau geste. Merci. Ça me fait plaisir de venir vous voir. Ben, merci, ça nous fait plaisir de recevoir. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je te tiens sur mon cœur. Tu veux? Oui. On écoute. Noëlla Larivière, madame, messieurs, on l'applaudit. Merci. Je te tiens sur mon cœur, folle d'ivresse. Saint-Georges-de-Beauce. Bravo, Noëlla. Merci, ça fait beaucoup d'émotion, c'était bien. Merci infiniment. On se revoit tantôt. Oui, c'est bon. Parfait. C'est un immense plaisir à l'émission de recevoir M. Raymond Poliquin. Salut, Raymond. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Longtemps qu'on t'avait vu. Ben oui. Raymond était longtemps musicien ici à l'émission Folklore Populaire. Bravo et merci pour tout ce beau temps-là. Alors, il a fait un excellent travail. Excellent. Alors, tu vas nous violonner quoi aujourd'hui, mon ami Raymond? Ça va être le rythme Saint-Isidore. On s'en va à Saint-Isidore. Parfait. On écoute et on applaudit. Raymond Poliquin, s'il vous plaît.
Américain, mesdames, messieurs. Le Ril de Saint-Isidore. On se retrouve tantôt, Raymond. Alors, il me fait plaisir de retrouver notre ami et collègue de bénévolat ici à la Mission Folklore Populaire, Gérard Saint-Cyr. Rebonjour. Rebonjour. Gérard, je sais que vous parcourez un petit peu la région, vous jouez de la musique ensemble. Oui. Toi, Raymond Poliquin et ainsi que Régin Beaudoin. Oui, oui. Vous êtes à Warwick tous les premiers samedis du mois. Moi, puis à Saint-Jacques-de-Lys, puis. Vous accompagnez les galas folkloriques. En fait. Les galas folkloriques aussi. Ah, ben c'est bien. Donc, félicitations. Régin et Raymond font. Ah, ben. Moi, je me repose, je suis rendu vieux. T'attends l'appel. J'attends l'appel. Alors, Gérard, tantôt, on a voyagé sur la terre, les pionniers, c'était merveilleux. On s'en va dans quelle région cette fois? On va chanter une chanson en français de Le mur d'acier. C'est Johnny Cash, Fonston de Prison Blues. OK. Version française. Normalement, je la chante en anglais, mais. Ici, on la chante en français. C'est la première fois que je la chante en français. Bravo, bravo. On va essayer. Alors, les amis, on applaudit Gérard Saint-Cyr, s'il vous plaît. J'entends un train s'approcher, siffler dans la vallée. Je ne peux le voir, mais je veux l'écouter. Je suis enfermé ici, derrière ce mur d'acier. Le train lui s'ennuiera près de ma pierre. Lorsque j'étais plus jeune, je fus en droit. Je venais aussi, mais je tenais aussi. Mais j'ai tué un homme qui sourit mon défi. Lorsque j'entends le vrai siffler, je pleure. Qu'un passager assis dans son fauteuil me traîne un cigare et boit du bon café. Je suis enfermé ici derrière ce mur d'acier et je resterai à pleurer le reste de ma vie. J'avais la liberté, si j'étais sur ce train, je crois que je le suivrais. Plus loin des jours, plus loin, oui, très loin de ce mur d'acier qui me retient ici. Et je referai ma vie quelque part ici. Gérard Saint-Cyr, madame Messine, tu nous as fait voyager, là, mon ami. Merci, Gérard, d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de travailler avec toi. Oh, merci, Gérard, c'est gentil. Puis les musiciens aussi. Là. Merci, Gérard. OK. On retrouve cette fois à Noël-la-Rivière. Rebonjour. Rebonjour, Bruno. Alors, tantôt, on a été jeté comme un peu sous ton cœur. Là, on est où, là? Dans un petit cabaret. OK. Ça se poursuit. Non. Alors, ça s'appelle dans un. Ah oui, un petit cabaret. Oui. Alors, on écoute ensemble et on applaudit. Nous voilà. Merci. Rivière, s'il vous plaît. Chapeau et gants vêtus de noir, toutes les filles
se divertir. Laissez leurs hommes sans trop mentir. Ils se paraient de bijoux pour se rendre. Écoutez jusqu'au bout. Cet homme au chapeau noir est au cabaret ce soir et voudrait jouer. Toutes les filles pour l'encourager. Claquer des doigts, taper du pied, elle peut plus s'arrêter. Les hypnoses, il les fascine. Cet homme au chapeau noir est au cabaret ce soir. Il voudrait jouer. Avec le temps on oublie. Et puis un jour, enfin il revient. Cet homme au chapeau noir est au cabaret ce soir. Laissez-le jouer. La Rivière, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci Bruno, merci pour l'invitation. C'est un immense plaisir de te recevoir et on vous invitera à venir bientôt. Oui. Merci. Merci. Voilà La Rivière. Beaucoup. Merci bye beaucoup. Bye. Et oui, on retrouve cette fois notre voyageur, Raymond Poliquin. Il nous a amené à Saint-Isidore tout à l'heure. Et là, on s'en va où, Raymond? Là, ça va à Sherbrooke, la rille de Sherbrooke. Hé, hey, à trois minutes, Saint-Isidore, Sherbrooke. T'es bon. On écoute Raymond Poliquin, on l'applaudit, mesdames, messieurs. Thank you.
Merci beaucoup de nous faire voyager avec ton violon. C'était excellent. Beau travail. Merci d'avoir participé à l'émission. Notre prochain invité, M. Régent Baudouin. Salut, Régent. Salut. Régent, bien sûr, musicien ici à Folklore Populaire à l'occasion. Merci d'être là pour nous rendre nos émotions en musique. Merci. Tu fais des galas folkloriques bientôt, Régent? Oui, un gala qui s'en vient, ben, c'est à tous les troisièmes dimanches du mois. On fait ça au Centre communautaire de Plessisville. Et on fait ça avec le soutien et la collaboration de la FADOC de Plessisville. Fait que on vous invite en grand nombre. C'est le 1545 rue Fournier à Plessisville. C'est noté. Tous les trois samedis du mois. Les troisièmes dimanches. Troisième dimanche du mois. Bon, avec Raymond, moi et Raymond. Avec Raymond. Musiciens. Ah, ouais. Raymond Poliquin. Et là, tu vas nous chanter une chanson? La guitare de Jérémy. C'est qui, ça, Jérémy? Ben, je ne sais pas, j'ai emmené le pic, en tout cas. Okay. On applaudit Régent Baudouin, mesdames, messieurs. Approchez, écoutez l'histoire, sortie tout droit de la mémoire, celle de la guitare de Jérémy. On l'a trouvée dans les débris d'une maison vide à ce qu'on m'a dit, le lendemain d'un terrible incendie. Prends donc, dit le brocanteur, elle a sans doute une grande valeur, mais comme j'y connais rien, je te fais un prix. Elle était sale, sentait la fumée, et sur son dos on avait gravé « Je suis la guitare de Jérémy ». Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute seule, une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémy. Jouait la guitare de Jérémy. J'ai jamais connu Jérémy. Était-ce un homme ou un pur esprit? Mais sa guitare est devenue mon ami. Elle m'a suivi dans toutes les chansons, les tant que les bars salons, et souvent jusqu'à très tard dans la nuit. Elle jouait toute seule, je n'avais que poser les doigts et les cordes chantaient toute ma vie. Et jouait toute seule une musique faite pour moi. Jouait la guitare de Jérémy. Jouait la guitare de Jérémy. Une nuit dans un bar fameux, pour ses bagages et ses dettes de jeu, une femme étrange est entrée dans ma vie. Elle a pris mon cœur et ma montre en or, avec mon auto elle a pris l'or, et bien sûr la guitare de Jérémy. Comme si la musique s'arrêtait, comme si la musique s'allait s'éteignait. J'ai pris la route sans savoir où j'allais. Je ne l'ai plus jamais joué de ma vie, mais je rêve souvent qu'une voix me dit « Prends ma guitare, je m'appelle Jérémy ». Jouais toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts et les cordes rouillées prenaient vie. Jouais toute seule, une musique faite pour moi. Jouais la guitare de Jérémy. Jouais la guitare de Jérémy. Alors, c'était Régent Baudouin, mesdames, messieurs, membres de l'orchestre. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui m'a fait notre émission cette semaine. Nous remercions d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Folklore Populaire. Merci aux gens en studio, merci aux gens à la maison, merci à nos invités et merci à nos fabuleux musiciens qui font jouer nos émotions en musique, dans le fond. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. Bonne fin de journée.